Salut les amis et bienvenue dans le studio de Tone Factory. Oui, on est de retour de Californie pour essayer un super trémolo aujourd'hui, le Great Escape de Thrill Tone. Alors, un trémolo, encore un. Non, celui-là est pas comme les autres, je vous arrête tout de suite. C'est un trémolo qui est doté d'un super truc qui m'a vraiment bluffé, c'est pour ça que je veux vous le présenter aujourd'hui. C'est ici ce petit envelope filter. Alors, on va revenir là-dessus, mais ce détecteur en fait de dynamique, je vais appeler ça comme ça moi parce que c'est vraiment le cas, c'est-à-dire que c'est un trémolo qui réagit vraiment à la dynamique du guitariste. On va voir ça ensemble dans cet épisode avec plusieurs réglages, vous inquiétez pas, il y a beaucoup de boutons mais en fait c'est très très simple. Pour commencer, petite présentation de ce trémolo. Ici, les boutons blancs qui règlent en fait le trémolo standard comme n'importe quel trémolo. On verra ça rapidement ensemble mais voilà, rien de révolutionnaire. Par contre, les boutons noirs ici règle l'enveloppe, donc le détecteur d'enveloppe, c'est-à-dire ce qui va gérer voilà, la détection de la dynamique du guitariste. On va voir ça ensemble un peu sur différentes étapes, parce qu'il y a pas mal de choses qu'on peut faire, mais c'est absolument génial dans le sens où c'est un trémolo qui va être vraiment vivant et qui va réagir au jeu du guitariste selon si on attaque ou pas sa guitare. Donc ce que je vous propose déjà, c'est de réécouter le trémolo pendant quelques secondes comme ça, tout seul, et puis ensuite de mettre en route donc cette partie, les boutons noirs ici, et vous allez tout de suite vous rendre compte de ce que ça donne. Sur le jeu que je viens de faire juste avant, c'est quelques accords AC/DC, j'ai réglé mon trémolo d'une certaine manière pour que le trémolo apparaisse comme je le veux et que l'enveloppe filter fasse son boulot grâce à ces deux boutons, Threshold et Release. Donc c'est les deux boutons qui vont vraiment nous servir à régler l'intensité de cet enveloppe filter, de ce détecteur de dynamique. Le Threshold va tout simplement gérer le taux de signal de la pédale, donc le niveau tout simplement, donc quand le trémolo apparaît. Et ensuite, le release, ici, va gérer la progressivité du trémolo, donc comment le trémolo apparaît. Je vous montre ça tout de suite. Là, j'étais réglé donc à peu près comme ça. Alors là, ce threshold, comme vous l'avez vu, au départ, j'étais un peu plus du tiers de la pédale. Donc, on a un trémolo qui apparaît progressivement, à peu près à la moitié de l'accord. Si je mets à zéro, il apparaît tout le temps. Et si je le mets à fond, il apparaît très, très, très tard, vraiment très tard sur l'accord, comme ça. Ça, on le sait aussi grâce à cette petite LED bleue ici qui reste allumée ou non. Selon ce que fait l'enveloppe filter en fait. C'est vraiment ça nous indique comment le détecteur de dynamique ici, l'enveloppe filter, réagit. Maintenant, ce bouton release, comme je vous le disais, gère la progressivité donc de l'apparition du trémolo, tout simplement comment le trémolo apparaît. Donc si je le laisse au quart ici, ça donne ça. Thank you.
Alors ces deux boutons ici, Polarity, comme on l'a dit tout à l'heure, sont reliés au bouton Speed et au bouton Depth, donc à la vitesse et à la profondeur du trémolo. Et nous, par exemple, pour faire apparaître le trémolo plus tard, on a mis la Polarity comme ça, donc ce bouton au quart, et puis le Depth un peu moins que la moitié, là, donc ça donnait à peu près ça. Et qu'il apparaît très tard. Si je vais dans l'autre sens de ce bouton, donc si je passe le point 0 ici et que je vais par ici, et bah en fait ça va gérer le temps que met le trémolo à disparaître, la profondeur du trémolo à disparaître. Donc on peut imaginer un trémolo qui disparaît complètement, puisqu'en fait ce qu'on entend dans un trémolo, c'est surtout sa profondeur. Ça, c'est le marquage de l'effet, c'est vraiment ce qui saute aux oreilles tout de suite. Donc si je mets ici def à 0 et polarity à fond, dans l'autre sens, ça donne ça. Donc ça c'est vraiment cool parce qu'on peut imaginer juste un accord avec beaucoup de trémolo et hop ça disparaît, on revient sur une rythmique standard, encore une fois en se servant des autres boutons de cette enveloppe là, du détecteur de dynamique, comme j'aime bien l'appeler. C'est vraiment sympa de pouvoir voilà, gérer son jeu à la guitare, pas avoir de trémolo, taper dedans, avoir un trémolo qui apparaît puis qui disparaît tout de suite. Enfin, c'est vraiment quasiment infini en fait, il y a plein de combinaisons possibles, c'est génial. Et ça permet d'avoir une ouverture d'esprit. Quand on joue de la guitare, ça, on a envie de composer des trucs, on a envie de faire des arpèges, on peut passer sur une rythmique rock derrière, ça marche très bien. On peut jouer avec, comme on l'a vu tout à l'heure, avec de la distorsion sans problème. C'est pas souvent le cas avec un trémolo, enfin personnellement, moi j'aime mieux l'utiliser sur des sons clairs, des trucs un peu voilà, cristallins, comme ça, un peu fins. Et là, ça permet de... Voilà, encore une fois, d'élargir le champ de vision qu'on a avec ce genre d'effet habituellement. Alors, une dernière chose qu'on a touchée pour faire ce jeu un petit peu en mode AC/DC, c'est la forme de l'onde. En fait, ici, avec ce petit switch, on peut régler tout simplement la forme de l'onde, l'attaque du trémolo. Donc, on a une forme carrée, une forme ronde, une forme plus pointue. Moi, j'appelle ça comme ça. En fait, c'est assez clair, c'est imagé, mais c'est assez clair quand on entend le trémolo. La forme carrée, donc le switch en bas, ça donne ça. Vraiment très prononcé. Si je passe sur la forme ronde, ça donne ça. C'est plus doux, tout simplement. Et puis, la forme un petit peu pointue, là, ici, ce petit triangle, tout en haut du switch. C'est un petit peu un entre-deux, si vous voulez, donc ça permet voilà, de gérer son trémolo comme on veut, éventuellement de faire quelques rythmiques avec le trémolo sur la forme ronde, ce qui est plus douce, donc c'est plus agréable à jouer avec en rythmique. Voilà, encore une fois, d'autres possibilités sur ce Great Escape de Thrill Tone. Alors, un autre truc cool aussi sur ce Great Escape de Thrill Tone, c'est ce petit bouton de volume ici, qui permet éventuellement de compenser une petite perte de puissance. Donc ça, c'est notable, parce que c'est assez rare sur les trémolos d'avoir un volume. Mais ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait, quand on le pousse, ce volume, bah, cette pédale devient aussi un super overdrive avec un grain vraiment top. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors hop, on met en route. Là, je suis à zéro. Et si je le mets à fond...
grosse surprise, c'est que ça devient aussi un overdrive, le Great Escape, si on veut, donc en poussant le volume, et franchement, un très très bon overdrive, tout comme le trémolo d'ailleurs, très organique. Donc ça, c'est vraiment un truc à noter, c'est la sensation de jeu que j'ai eu sur cette pédale, vraiment hyper naturelle, très très organique, ça fait vraiment du bien à jouer, parce que c'est, il y a beaucoup de réponses, beaucoup de naturel, encore une fois, dans cette pédale. Et un dernier truc dont on n'a pas parlé, mais qui est super cool aussi, c'est ce réglage ici, dans les réglages standards du trémolo, donc les boutons blancs, ici, le deuxième étage, c'est la symétrie. La symétrie, ça sert tout simplement à bouger la pointe de l'onde, donc si vous voulez, le point haut de notre trémolo. Donc je vous montre ça. Par exemple, si la symétrie est au milieu, à 0, voilà, comme ça. Là, notre point haut est juste au milieu, en fait, tout simplement, et je peux le déplacer. Donc, c'est-à-dire que si je vais par là, vers la gauche, je vais déplacer mon point haut. Ça, c'est très rigolo. Et puis, dans l'autre sens, on va imaginer une onde qui vraiment a son attaque sur la toute fin. Et là, ça va nous donner un effet un petit peu reverse, comme si, hop, on rembobinait la bande comme ça. Voilà les amis pour la découverte de The Great Escape, ce magnifique trémolo de chez Thrill Tone. C'est vraiment un trémolo unique en son genre, donc je vous invite à aller l'essayer si vous pouvez, si vous le trouvez en magasin, parce que c'est quelque chose d'incroyable, vraiment incroyablement inspirant, on l'a dit, ça ouvre des portes voilà, infinies, mais aussi incroyablement facile de prise en main. Il y a 8 boutons, j'avais un peu peur de ça, pour ceux qui me connaissent un peu, c'est pas trop trop mon truc, et franchement, une fois qu'on a compris comment marche l'envelope filter, grâce à ces 2 boutons ici, ça passe tout seul, on se surprend même à toucher les boutons pendant le jeu, etc. Et à passer voilà, des heures à explorer, j'adore ça. C'est vraiment vraiment très très inspirant. La symétrie que j'ai découvert un petit peu en direct avec vous. Le côté reverse, très psychédélique, très hendrixien. Enfin, c'est vraiment génial, c'est magnifique également, c'est un super bel objet. On a presque peur de marcher dessus, mais bon, c'est fait pour. C'est une machine à musique, une machine à rock'n'roll, donc je vous invite à aller la découvrir, Great Escape de Thrill Tone, et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo de Tone Factory, évidemment. Ciao. We'll be right back.